C'est une célébration riche en manifestations, civilités militaires, chants, démonstrations sportives. L'honneur est revenu au responsable du prix Tanné militaire de présenter au ministre de la Défense nationale et les résultats en dressant le bilan d'excellence de cette année. Au chapitre des examens de fin d'année, en terminale scientifique, les 21 enfants de troupe, dont 17 Gabonais et 4 non-Gabonais, notamment 2 du Burkina Faso, 1 du Mali et 1 du Sénégal, ont tous obtenu le baccalauréat français, soit un taux de réussite de 100%. Concernant le brevet d'études du premier cycle, BEPC, les 11 enfants de troupe de la classe de 3e, parmi lesquels 2 du Sénégal, ont tous obtenu leur brevet, soit un taux de réussite de 100%. Des mains du ministre de la Défense nationale, le prix d'excellence Omar Bongo Ondimba a été remis à 2 élèves ayant obtenu des mentions très bien. Bon, pour réussir, je n'ai pas fait grand-chose à part beaucoup travailler et vraiment me fier au conseil de mes professeurs. Plusieurs prix ont été remis aux meilleurs élèves et à ceux ayant obtenu des notes exceptionnelles lors des examens, comme Rick Désiré, qui a obtenu 20 sur 20 en mathématiques. Au-delà du fait que c'est une matière que j'aime personnellement, je me suis dit que pour pouvoir m'investir avec les mathématiques dans mon projet d'études, il faudrait que je donne le maximum là-bas aux examens. Pour la deuxième année consécutive, le Grand Prix du Président de la République va à l'élève admis en classe de 5e, Daniel Bruno Louseke Kumba. Le prix Tanné militaire vise l'excellence, un objectif atteint chaque année. Dans cet établissement, le redoublement n'est pas permis et le passage en classe supérieure est conditionné par une moyenne de 13 sur 20.